Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur, Madame Baldi, depuis l'Allemagne à Hambourg. J'espère que vous avez bien débuté la journée. En fait, vous voyez déjà ce qui se passe au Gabon. Il y a eu le coup d'État qui s'est passé au Gabon il y a cela juste un an. Et après un an, ils ont déjà fixé la date du référendum pour le projet de la nouvelle constitution. C'est déjà acté, c'est le 16 novembre. Pendant ce temps, nous, après 3 ans, on nous parle encore d'avant-projet de constitution, même pas de constitution, pas de référendum, pas d'élection. Alors, c'est pourquoi je me suis insurgée lorsque j'ai vu dans un journal de la place, en Guinée là-bas, c'est-à-dire un site web Vision Guinée, on a fait un article où on parlait que voilà que le gouvernement allemand, notre gouvernement allemand à nous, c'est-à-dire apprécier le gouvernement de transition guinéen. Et au nom de notre mouvement politique, nous avons adressé un courrier de façon officielle la semaine dernière au gouvernement allemand, c'est-à-dire à la chargée de l'Afrique occidentale, Frau Henning, c'est-à-dire la dame Henning. On lui a adressé ce courrier pour dénoncer effectivement ce qu'on trouve inacceptable. Nous, les Allemands d'origine guinéenne qui vivent dans ce pays-là, on ne trouve pas c'est-à-dire qu'on peut franchement apprécier ce qui se passe dans notre pays. Et quand on a lu ce passage-là de ce qu'elle aurait dit lors de la célébration de la fête de l'indépendance à Berlin, retransmis dans un journal, c'est-à-dire Vision Guinée, on s'est insurgé, on lui a adressé donc un courrier. Et la réponse du courrier, je l'ai reçue hier. Elle a essayé naturellement de se défendre et tout, parce que on lui a adressé un courrier de 2 pages, leur prouvant qu'effectivement le régime qui est en place n'est pas un régime qu'on doit apprécier en fait avec toutes ces bavures qu'on a. On lui a adressé ce courrier, elle a répondu, on a reçu la réponse hier de façon officielle. Donc le ministère des AE de notre pays qui est l'Allemagne, notre gouvernement nous a adressé un courrier. Parce que nous, on a trouvé sa sortie inacceptable. C'est-à-dire, c'est incompatible avec les valeurs de la République allemande. C'est incompatible avec, comment ça s'appelle, la constitution allemande, la loi fondamentale allemande. Donc, c'est ce qu'on lui a fait savoir. Et nous a répondu qu'effectivement, eux, en tant que gouvernement, leur rôle, c'est de travailler de façon constructive avec la Guinée. On n'en disconvient pas. Mais travailler de façon constructive avec la Guinée ne veut pas dire qu'il faut supporter l'insupportable. Donc, une rencontre est prévue pour essayer de tirer les choses au clair. C'est juste pour vous dire que les choses, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est comme ça, je dis, je sais que c'est le réalisme politique, c'est le pragmatisme et tout. Lorsqu'il s'agit des intérêts des uns et des autres, on essaie de fermer les yeux sur ce qui se passe, sur ce qui ne va pas. Mais une seule chose reste claire. Cette junte militaire qui est là et ne fait rien en Guinée qui peut pousser un gouvernement fédéral allemand à apprécier ce régime-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour finir, nous avons des compatriotes qui ont essayé de. C'est-à-dire ces compatriotes arabisés qui pensent qu'ils détiennent la clé du paradis en Guinée, ces extrémistes-là qui viennent me dire, parce que j'ai dit hier en poulard, j'ai essayé d'adresser un conseil à nos jeunes qui vivent ici, d'arrêter, c'est-à-dire, parce que bon, mais on nous les coeurs de nare ben mais rewa et hora mais tant que mais on ira non ben de mon den wal tako awa mais wat te purik mais wajo by hare wana ono na batamen al janna wana ono na portamen ok si meti on si me wajike oton daru onani c'est aussi simple que cela mais ne wana mais nare bi nare culture mais on ko fere by tara si mi hippike purik mi wajike mimi way portade pour que mi walina me nyamu do bere no way etude bere na yaltina kande redu mo mo bere ma affaire mu do chondi mo bonni fi mo won do walade ka gar on no way etude dun don walina
kwalle baawde mum tun waata mo yaltinde nder mum kaa donc honno dene tey si ɗum waawi honno haalde fii diina haale fii diina e hoore famille ji moon ɗinna mi haalno on ɗum gisa par ce que diina pour commencer ko question privé mo kala e allah mum par ce que si maayi hannde o naɓortaala mi naɓortaa on so si simple que cela wassalamu bonne journée.